Salut tout le monde, c'est Sandard et bienvenue sur Maldita Castilla, la découverte du tout dernier jeu de Loco Malito, sorti le 12/12 en 2012. Alors totale découverte pas tellement parce que j'ai fait le premier niveau pour tester les commandes et c'est tellement bon ce jeu que j'ai pas pu m'empêcher d'aller jusqu'au premier boss. Et puis voilà, bon, alors je vais tenter de le terminer. Il y a 4 fins différentes, la première s'obtient en finissant le jeu une première fois, la deuxième une deuxième fois, et les deux autres fins s'obtient en dénichant des objets cachés un petit peu partout dans le jeu. Je ne sais pas du tout à quoi ressemblent ces objets, on verra bien. Allez, c'est parti. Donc c'est un jeu qui rend hommage à Ghouls and Ghosts, vous l'aurez compris. Et les commandes sont vraiment excellentes, voilà, ça répond au doigt et à l'œil. Alors ce que je n'ai pas dit dans l'intro de Loco Malito que j'ai fait en début de semaine, c'est que la plupart des musiques de ces jeux sont conçues par Grisor 87. Et pour ce jeu-là, Grisor 87 a utilisé un émulateur qui émule le soundchip du Yamaha YM2203 que l'on retrouve dans la plupart des jeux d'arcade de l'époque et aussi dans certains jeux Mega Drive. Voilà, c'est pour ça que la plupart des musiques ressemblent à celles que l'on peut entendre dans des jeux Mega Drive. Et voilà, donc comme dans Ghouls and Ghosts, il y a plusieurs armes à débloquer, vous allez voir. On peut faire des coups vers le bas, des coups vers le haut, on peut doser ses sauts, mais attention, une fois que le saut est lancé, tout comme dans Ghouls and Ghosts, on ne peut pas revenir en arrière, donc il faut faire très attention à ça. Alors il y a plein de clins d'œil évidemment à tous les jeux d'arcade de l'époque.
Et voilà. Bon, pour l'instant, c'est pas super dur. Hein. C'est le début du jeu, voilà. Hop. Alors ça, je ne sais pas du tout à quoi ça sert, le bouclier. Je n'ai pas lu la notice qui est disponible sur le site de Locomalito en PDF. Donc voilà, vous pouvez faire une donation ou télécharger le jeu gratuitement. Si vous faites une donation, comme je vous l'ai déjà dit, Locomalito vous envoie une version du jeu en boîte avec le manuel et tout ça, et tout ça, et tout ça, et ça c'est bon. Alors attention, le premier boss... Enfin, je dis attention, mais il est vraiment... Putain, mais... Ah, j'ai perdu mon bouclier, d'accord, j'ai compris. C'est juste un point de vie supplémentaire. Donc lui, il suffit d'attendre qu'il... qu'il nous lâche les trucs de feu, là. Il faut frapper dessus une fois que son bouclier... ne le protège plus. Allez, encore trois coups. Le cavalier sans tête, voilà. Et là, je récupère une petite fée. Je ne sais pas du tout à quoi ça sert parce que je n'ai pas été plus loin. À partir de maintenant, c'est totale découverte. Alors là, les bourreaux qui font penser tout de suite aux ogres dans Ghouls and Ghosts. Ou dans Ghost and Goblins, je ne sais plus. Parce que je n'ai pas fait Ghouls and Ghosts. Je n'ai pas encore fait Ghouls and Ghosts, je compte le faire, bien sûr. Pourquoi pas en vidéo? Je me moque d'Hooper qui joue très mal. Alors je peux aller là-dessus, ouais. Je me moque d'Hooper et de son périple, mais je ne suis pas sûr de pouvoir faire mieux. Alors là, on peut choisir son arme. Je vais prendre... C'est quoi ça? Un point d'interrogation. Ah non, c'est une faux. Ouais. On va tester. Ah! Ah! Putain, non! Ok, je vais passer au-dessus. Plutôt en dessous. Attention. Et voilà. Ah d'accord, la fée balance des petites boules bleues. Attention les larves. Oula, qu'est-ce qui se passe? Putain. Les apparitions sont assez impressionnantes. Alors ce chevalier là, attention. Non, non. D'accord, la faune n'a pas une longue portée, mais c'est plutôt efficace, je trouve. Et toi, je vais t'avoir par en dessous. Putain. Oula, ça sent le boss. Ok, comment il s'appelle? Il s'appelle Zarampla. Zarampla. Attention au truc vert là qui reste sur le sol apparemment. Je vais pas tester pour voir si ça me touche ou pas. Pour l'instant ça va. Oh, attention les larves. Oh, putain, c'était tout juste. Alors j'imagine que le premier loop c'est super simple. J'ai lu que pour avoir les 4 fins différentes, il faut traverser 4 niveaux différents. Putain. Je joue vraiment comme une merde là. Faut vraiment que je me concentre. Faut que je m'occupe des larves avant de m'occuper de sa tête à lui. Et voilà, je l'ai eu. Je ne sais plus ce que je disais. Et là, je récupère une croix. For Golden Castile. Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Ah oui, je disais qu'il y avait 4 fins différentes. Et pour accéder à ces 4 fins, il faut traverser 4 niveaux différents. Donc voilà, on va pas voir tous les niveaux durant cette vidéo. Hein. Chapitre 2, la route des harpies. Oula, alors là, gros clin d'œil à Chinon Rondeau et Symphony of the Night. Oula, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que t'as vu? On se fait attaquer par des harpies. Putain, je l'avais pas vu celle-là. Allez, mes compagnons, aidez-moi! For Golden Castile! Oh, attention, ceux-là. Alors ça, ce sont des ennemis que l'on retrouve dans la version Mega Drive de Ghouls and Ghosts, je crois. Des espèces de chauves-souris, là, avec les chaudrons. Putain, ça vient de partout, là. Oh! Merci, mon copain. Attention. Ok, pour l'instant, tout va bien. Ouh, ça commence à chauffer, là. Non, 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 non! Il me reste combien de points de vie? 3, 2, 2. Ah, un coffre. Ouh, un gros gigot. C'est le retour des harpies. Attention aux pierres sur la route. Ouh, attention. Oh putain. Ok. Ah non, mon pote est mort.
Quesada, qu'est-ce qui se passe? Il est où? Allez, c'est parti. Attention. Ouh, putain, d'accord. Lorsqu'il m'attaque, je dois me baisser. Bon, il a pas l'air super difficile. S'il ne fait pas d'autres attaques, ça peut aller, ça va passer. Allez, hop. Et voilà. Chapitre suivant. Ah non, c'est toujours le même chapitre. Alors là, je suis dans la forêt, apparemment. C'est quoi ça? Ok, c'est des œufs de harpie. Ne pas oublier que je peux tirer vers le bas. Faut vraiment que je m'habitue à ça. Oh, putain. Allez, pas de panique. En plus, il y a un timer, donc je dois faire très attention à ça. Ah, c'est quoi ça? Des bottes. Peut-être un double saut. Ah non, je peux sauter plus haut. Ok. Et du coup, ça m'a pas aidé, là. Je peux sauter plus haut. Je récupère du temps. Ouh, attention, là, les Robins des Bois. Je vais tester une autre arme. Voyons voir, la hache. Ouais. On va tester. Ouh, j'ai failli tomber dans le trou, là. Alors là aussi, un gros clin d'œil à Ghouls and Ghosts. C'est quoi ça? Wura Tears. Les larmes de Wura, c'est ça? C'est peut-être ça que je dois récupérer pour avoir la vraie fin. Ah, voilà le retour de la fée. Attention les plateformes mouvantes. Ouh putain, mais quel débile! Première mort ridicule. C'est quoi, c'est une couche de bébé? Quoi? Ah d'accord, ça me touche. Je me suis pas fait toucher la première fois. J'ai vraiment eu du bol, hein. Attention. Allez, aide-moi la fée. Hop. Alors attention les plateformes mouvantes. Non, mais quel con. Ah. Bon, faut que je me concentre. J'ai toujours eu beaucoup de mal à Super Ghouls and Ghosts, par exemple. Je vous ne l'avais pas dit. Je ne sais pas jouer à Super Ghouls and Ghosts. Allez, je vous ferai peut-être un jour une vidéo pour vous faire plaisir. Attention. Bon, allez, plus de conneries. On y va. J'adore vraiment la musique, les graphismes et tout ça. Oh putain, j'ai vraiment de la chance là. Ah, ah, ah. Ça passe. Attention les diablotins. Ouh, j'ai eu de la chance. Ah, par contre, je vais attendre un petit peu. Non, j'attends pas. Ouh. Heureusement que la fée est là. Hein. Ouh, ça sent le boss. T'es qui, toi? Oh, putain. Combat dans les nuages. Alors là, nous avons affaire à Nuberu. Et bon, on va se le faire, Nuberu. Oh, putain, attention, il balance des tornades. Attention, tornade, ça c'est quoi? Oh, d'accord, il balance des éclairs. Wow, 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 wow. Il n'a pas l'air simple, lui. Ah, voilà le retour des éclairs. Voilà. Non, 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 non. Bon. Il n'a pas l'air compliqué, hein, lui. Faut juste que je fasse gaffe. Ouais, faut juste que je fasse gaffe à ces tornades. Voilà. Ah, apparemment, la direction des tornades dépend de ma position, donc... Je vais sauter à chaque fois qu'il en balance une. Putain, mais ça, faut vraiment que je comprenne le pattern. Hein. Attention.
Ouais, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Ah, je suis qu'à la moitié de sa barre de vie. Putain, mais t'es résistant en plus. Non, mais putain. Non, 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 non. Oh, bah merde. Eh, il est super dur, ce jeu. Et voilà. Heureusement, nous avons des continues infinies. Alors, je recommence où? Au boss. Au début du chapitre. Ok, je recommence au boss. Donc, ça va pas être super compliqué. Allez, courage. Non, je vais encore me faire avoir avec ces trucs-là. Putain, mais... Non, 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 non. Bon, allez, on se concentre, là. On va pas rester une heure sur Nubaru. Par contre, s'il faut récupérer des larmes dans tous les niveaux, j'ai sûrement raté celui du premier niveau. Hein. Rest in peace. Bon, toi, Nubaru, tu commences à m'énerver. Cette fois-ci, c'est moi qui vais gagner. Vas-y, balance ta tornade. Voilà. Là, on est bon. Oh, attention, faut pas tomber surtout. C'est ça que je crains le plus, c'est de tomber des nuages. Eh ben voilà. Je me suis même pas fait toucher une seule fois. Ouh. Oh putain, j'ai eu peur là. Là, je récupère la croix. For Golden Castile. Bon, alors moi je vais faire une petite pause, je vais mettre la pause. Je vais mettre la pause. Interlude. Plague Dance. Attendez, bonus stage. Je vais d'abord faire le bonus stage et après je ferai une petite pause. Oula, qu'est-ce que... Je vais t'avoir. Oh, putain, non. Non. Ok. C'est pour récupérer des points, je récupère des objets, je sais pas à quoi ça sert. Une bague, une coupe. Non, bonus over. Bon. Ok. Chapitre 3. The Alcazar. La prison. Waouh, ça a l'air épique. Bon, je vous retrouve dans deux petites minutes, je vais me faire un petit café. Coucou, me revoilà. Allez, c'est reparti. Alcazar, me voici. Oh, attention les chevaliers. Oh non, 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 mais je fonce dessus, quel débile. Ok, si je m'en doutais, ils reviennent à la vie. Oh, attention lui, j'ai pas confiance lui là-haut. Allez, ressuscite. Ah, ok, t'attends que je passe pour ressusciter. Ça, ce sont des points, d'accord. Non, ouf, putain, j'ai eu de la chance. Je ne t'avais pas vu. Lui, par contre, je l'ai vu. Vite, vite. Oh non, 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 non. Heureusement qu'il m'a pas balancé sa flamme, lui. Allez, attaque-moi. Bon, qu'est-ce que t'attends, là? Oh. D'accord, faut que je me rapproche de lui. Voilà, ok. Et voilà. Toi, tu m'énerves. Ouh, j'ai eu de la chance là. Il y a un coffre là-haut. Là en dessous plutôt. Non! Il y a un coffre là en dessous, j'irai le chercher plus tard. Il y a peut-être un truc ici au-dessus. À récupérer avant. Ok, bon, allons voir ce qu'il y avait dans ce coffre. Lui, je vais me le faire par le haut. Ah! Ça passe pas à travers, ok. Bon, attention. Ouh.
Bon, cette fois-ci, je vais prendre ça. Ouais. On va voir si c'est assez puissant contre ceux-là. Normalement, il faut deux coups contre eux. Putain. Bon, ça n'a pas l'air terrible. Je préfère le... Ouh, attention le dragon. Je préfère l'espèce de faucille, là, de boomerang. Mais quel con. Faut vraiment que je m'habitue à cette maniabilité à la Ghouls and Ghosts. Allez, deuxième continue. Et je recommence là. Ok. Et j'ai compris. Ah, ça va beaucoup mieux, hein. Attention, je vais récupérer les points quand même. Peut-être que j'ai des vies avec... Avec certains... Peut-être que je ramasse des vies en ayant, je sais pas moi, 10 000 points, on verra. Faut que je surveille ça de près. Et voilà. Oh, tu dors ou quoi? Eh oh. Bon là je peux directement aller vers le bas. Ah merde, quel con! Ne pas aller trop vite avec eux. Y'a pas un passage secret là en dessous? Non. On ne sait jamais. Peut-être qu'il y a des bonus cachés dans, comme dans Castlevania. Et voilà. Alors là, attention le dragon. Je vais rester sur l'escalier. Je vais pas trop m'en approcher. Voilà. Bon, il est pas super compliqué. Ouh, il y en a encore un. Par contre, je vais devoir sauter obligatoirement. Hop. Et voilà. Go! Non, on peut pas casser les chandeliers. Ouh, attention les trous là. Ça sent pas bon ça. Ah merde, je voulais récupérer ça. Je vais attendre. Non, pas ça. Non, pas ça. Ça. Ouais. Je dois aller là en dessous. Mais je vais aller voir par là. Ah, ça sent. Ça sent les plusieurs embranchements. Non! Qu'est-ce que je fais? Je vais en bas ou je vais par là? Je vais aller voir en bas. Peut-être qu'il s'agit juste d'une pièce bonus, on verra. Par contre, je ne pourrais plus remonter. Je sais pas. Bon, allez, tant pis, je ne vais pas en... Ah, putain, mais c'est chiant, ça! J'aime pas les plusieurs embranchements. Allez, go, on y va. D'accord. Je me trouve toujours sur le même niveau. Putain, mais c'est immense! J'ai envie d'explorer quand même. Je vais aller voir par là. Ah, ça passe pas au travers. Attention. Par contre, eux, les flèches, ça passe au travers sans problème. Hein. Putain, mais je fais pas assez attention! Mais quel débile. Je fais pas assez attention là. Bon, je recommence là. Alors, ce que je vais faire, je vais continuer tout droit et puis je verrai s'il y a plusieurs embranchements. Et merde, j'ai repris la même arme. Ah putain, mais eux. Encore les dragons. Par contre, même si je perds, je garde tout de même la fée apparemment. Oula, qu'est-ce qui se passe là? Apparemment, c'est chaque fois que je vais sur... Ah, une clé. Ok, il y a une clé. Je crois... Non, je m'en souviens plus. Il y avait une cage, non, au début de ce niveau? Oh, qu'est-ce qui se passe? Il y a des pièges qui se sont activés. Il faut que je passe au-dessus, là. C'est tout doucement, voilà.
Je crois que là-bas il y a une cage. Ou alors c'était le niveau d'avant. Non, je crois que c'était le niveau d'avant. Ok, d'accord. Bon, j'ai récupéré une clé qui va sûrement me servir à récupérer l'alarme de ce niveau. Mais où se trouve-t-elle? À mon avis, c'est par là. Et on va aller plus doucement ici. D'accord, et ça c'est de la vie. Et là, une couronne. Et ça c'est, à mon avis, c'est un point de vie supplémentaire. J'ai pas bien regardé. Bon, alors toi le dragon. Je vais prendre tout mon temps. J'ai pas envie de recommencer. Quelques coups. Oh putain, mais attends, il faisait pas ça tout à l'heure. T'as changé ton pattern, espèce de fourbe. Oh putain, attention. Ah, je joue super mal. J'ai pas envie de prendre de risques. Et voilà. Il y a quoi là au-dessus? Rien. Ou attention, des harpies. Ok, oh là là, mais quel noob! J'ai honte, je dois tout recommencer! Oh putain! Bon, allez. Cette fois-ci. Oh, j'ai pris la hache! Je sais pas si c'est bon la hache. Ouh non, c'est pas bon du tout! Je dois me baisser à chaque fois. Non, non, c'est vraiment pas bon. En plus, c'est même pas puissant. J'ai l'impression que toutes les armes ont la même puissance. Ah, par contre, contre les dragons, c'est efficace. Donc c'est peut-être un bon choix. Alors là, attention les fantômes. Allez, apparaissez! J'ai pas peur de vous! Hop, je me mets sur le lit. Ah, j'oublie que je peux tirer vers le haut aussi. Ok, donc je dois récupérer la clé à chaque fois. Là, les pièges se sont activés. J'aime pas ce passage. Ouf. Bon, pour l'instant, c'est un sans faute. Non, je peux pas les avoir de là. Oh putain, mais quel débile! Ok, d'accord. Je joue comme une merde. C'est pas grave, j'ai de la vie. Non, c'est vraiment pas efficace, la hache. Ça tire beaucoup trop haut. Ah merde, j'ai cru que je récupérais une vie. Je récupère une espèce de couche, là. Je sais pas ce que c'est 200 points. Bon, alors toi, le dragon... Pas de problème, j'ai la hache. Et voilà. Bon, plus de conneries. Mais putain, mais... Je suis mauvais. Ouh, attention les squelettes qui dansent là. Ah voilà. Une cage. Comment je fais pour l'ouvrir? Apparemment ça sert pas du tout à ça. Là je vois qu'il y a une porte. Ok, d'accord. À mon avis ça servait à ça. Oh merde. Ok. Oh non. Bon, je vous retrouve un petit peu plus loin. Et voilà. On se retrouve ici, donc j'ai récupéré la clé. Attention au squelette qui va exploser. Ouf, voilà.
Et j'ai récupéré la deuxième larme. Alors attention parce que il ne me reste plus qu'un seul point de vie. Donc là je vais y aller vraiment doucement. Mais putain, mais c'est... Ah non. Me dis pas qu'il faut tout recommencer. Et ouais. Bon. Bah... à tout à l'heure. Et j'ai encore perdu bêtement. Bon, j'ai remarqué que j'ai quand même gardé la deuxième larme. Donc je vais aller directement en dessous. Je vais pas perdre de temps. Je vais prendre la hache et c'est parti. Encore un coup. Et au revoir le dragon. Encore un coup. Allez. Hop. Alors ça c'est le passage que je crains le plus. Le passage avec les harpies. En fait le truc c'est qu'il faut les faire apparaître au bon moment. Pas comme je viens de le faire par exemple. Maintenant. Non, 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 non. Elles vont apparaître en même temps. Et du coup, comme j'ai pas pris la clé, je garde la petite fée, qui est fort utile. Tiens, c'est bizarre, il y a encore un coffre. J'ai quand même gardé l'alarme. Oh, allez, je m'en fous. Alors, attention ici. C'est la première fois que je viens ici. Hop. Ah, ah, ah. Ok. Ouh, toi, je t'aime pas, là. Lui par contre, attention, ok. Alors on avance tout doucement mais sûrement. Ouf, attention. Oh putain, c'est passé tout juste. Voilà. Enfin checkpoint. Attention le boss, Manticore. Ok, 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 ok. Attention, on passe en dessous. J'ai vraiment de la chance là. Allez, encore 3 coups, encore 2 coups. Non, encore un coup, vite, vite, je vais me le faire. Ok, c'est bon. Et donne-moi de la vie. Merci, c'est exactement ce que je voulais. Et du temps. Ouh, je t'avais pas vu toi. Ça, ça me rappelle Gradius. Je sais pas pourquoi. Les statues île de Pâques, là. Les Moai. Oh putain. Et on ne peut pas tirer lorsqu'on est sur les chaînes. Bon, je vais recommencer. Attention, c'est parti. Wow, 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 wow. Doucement. Ah merde. Je voulais sauter, je voulais pas prendre le truc. En fait, quand on saute sur les chaînes... Il le prend directement. Hein. Ok, je peux péter les boules. Je peux péter les boules. Ok. J'ai bien fait de prendre la hache pour ce niveau, je crois. Ouh, le bouclier. Non. Oh, non, 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 non. Ok, d'accord. Le bouclier a sûrement disparu. Putain, j'ai eu peur. C'est ma copine la fée. Pas de panique. Bon. Faut que je me les fasse absolument. Ces têtes de Moai là, je sais pas quoi. J'appelle ça comme ça parce que ça me rappelle les têtes de Moai, mais bon, ce ne sont pas des têtes de Moai. Hop. On va se les faire tout doucement, une par une. Putain. C'est dommage qu'on ne puisse pas tirer lorsqu'on est sur les chaînes. Et voilà. Alors lui en haut, il me fait un peu peur. À mon avis, la hache, c'était une mauvaise idée parce que là, ça passe beaucoup mieux.
Ouh là par contre. Lui je vais me le faire. Ouh merde merde merde. Ouh putain j'ai eu de la chance. Non mais je refais la même connerie. Mais quel débile. Bon allez, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce, je fonce. Lui je vais me le faire. Putain allez, je me casse d'ici. Qu'est-ce que je joue mal. Ah là j'ai raté l'occasion de récupérer une nouvelle arme. Ok ça passe. J'espère que c'est un checkpoint. Oula je suis dans une bibliothèque, tout est en feu. Qu'est-ce qui se passe? Aïe aïe aïe. Il ne me reste plus qu'un seul point de vie. Je vais tenter de le faire d'une traite. Ouh. Attention. J'ai un petit peu peur là. C'est quoi ça? Invincibilité? Allez, je fonce. Non, j'ai pas envie de foncer. De la vie, oh oui! De la vie! Attention. Il y a tout qui s'effondre. Pour l'instant, tout va bien. J'ai parlé trop vite. Ok, c'est passé. Oula, t'es qui, toi? Crazy Kizote! Non! Ok, faut pas faire de saut vers l'avant. Faut sauter sur place. Faut vraiment que je m'habitue à sauter sur place. Attention, il m'attaque avec son bouquin. Eh mais attendez, il perd pas de vie. Faut tirer dans sa tête peut-être. Je vais tenter, je vais me mettre ici. J'ai réussi à le toucher une seule fois, mais je sais pas comment. Ouais. J'ai pas tout compris là. C'est quoi ça? Vous avez utilisé 4 crédits? Si vous continuez, vous perdrez votre âme. Ok. Ça veut dire quoi, ça? Ah, je commence à avoir peur, là. Est-ce que je vais avoir des crédits infinis pour terminer le jeu? Ok. Bon, j'ai toujours pas compris comment le tuer. Peut-être quand il est en feu. Ok, quand il est en feu, d'accord, j'ai compris. Lorsqu'il est en feu, il est vulnérable. Allez, éloigne-toi, éloigne-toi. Ouh, attention les haches. Oh merde, j'aurais dû rester sur place. Non, 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 il est en feu, il est en feu, vite, j'en profite. Je ne l'ai touché que 3 fois pour le moment. Et ok, d'accord. Bon, allez, faut vraiment que je me concentre. À nous deux, Don Quixote. Bon là ça sert à rien de tirer, je suis débile. Allez casse-toi. Oh. Ok d'accord. Je joue comme une bille. Bon, ne pas oublier que c'est une fois à gauche, une fois à droite, une fois à gauche, une fois à droite. Vite! J'ai encore failli me faire avoir. Je suis pas assez concentré. Vite, par là. Et là, je tire dessus. Ok, d'accord. Non mais de l'autre côté, pourquoi je tire de l'autre côté, je suis débile. Ah, oh, je fonce sur le couteau. Je sens que ça va être encore un fail. Quoi? Tu m'as bien eu, Crazy Kixote. Bon, à mon avis, j'ai perdu mon âme depuis bien longtemps. Allez, à nous deux. Balance tes conneries, là. Vas-y. J'ai pas peur. Donc là, c'est de l'esquive. Maintenant il se barre par là. Je vais rester au milieu. Voilà, ok.
J'ai bien fait de ne pas aller par là. Non, ne pas sauter. Il faut pas sauter contre lui. Il faut pas sauter. Non. Toujours rester sur le sol. Voilà. Là, je me mets au milieu. Il faut vraiment pas sauter contre lui. Ouais. Souffle. Ok. C'est vraiment du pixel près ce jeu. Ok, il repart. J'espère qu'il va pas atterrir au milieu. Oh, attention, encore les livres. Allez, casse-toi! Non! On voit la mort arriver avec ce type de maniabilité. Ah, je le touche encore 4 fois et je l'avais eu. Je l'aurais eu. Bon. Et cette fois-ci, c'est la bonne, je le sens bien. Je sens que je vais m'énerver. Ok. Mais merde. Je sais pas pourquoi je tire de l'autre côté. Non, 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 non. Je ne l'aurai pas cette fois-ci. Bon. Moi qui croyais que le jeu était super simple, moi qui voulais faire les deux loops, je crois qu'on va en faire qu'un seul, hein. De toute façon, je peux pas en faire deux si ça dure trop longtemps, parce que sinon je n'aurai pas assez de place sur le disque dur. Mais ça, on s'en fout, c'est de la technique, ça, on s'en fout. Joue et tais-toi. J'ai même pas touché une seule fois. Oh là 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 là. Ok, apparemment les haches, c'est toujours le même pattern. Je déteste. Ok, là c'est bon. Là je m'éloigne. Et il va me relancer ses couteaux. Ah non, les haches. Donc les haches c'est ça, là je passe comme ça. Et voilà. Ok. Ok, ok, on est bon là. J'en suis à la moitié. Oh. Désolé si je dis pas grand chose, mais là faut vraiment que je me concentre parce que j'ai pas envie de recommencer. Allez, encore deux coups. Et voilà. Bye bye Don Quixote. C'est bon là? Et je récupère la croix que je ne sais pas à quoi ça sert. Forgotten Castile. Chapitre 4. Eh ben. Pas facile. Hein. Pas facile du tout. Chapitre 4. Les marécages de Malaventura. Alors attention. Niveau de marécage. Pour l'instant, tout est calme. Ouh. Ah, petite référence à Contra, peut-être. Le niveau alien. Est-ce que je peux les péter, ça? Est-ce que je peux les exploser? Ok, j'en ai eu un. Et voilà. Allez, ouvre-toi. Il ne va pas s'ouvrir. Je vais déjà me faire celui-là. Je parie qu'il va s'ouvrir après, voilà. Ok, d'accord. Ouh, c'est quoi ça? Des fantômes. Des monstres... Des monstres de marécage, ok. Allez, hop. Ouh, merde. Normalement, il fait une petite animation pour apparaître, et là, il ne l'avait pas fait. Bon, allez, on se casse d'ici. Je vais pas traîner trop longtemps dans les marécages. Du poulet, ça me sert à rien.
tous se les faire avant de continuer. Il y en a un qui veut pas s'ouvrir là. Ouvre-toi. Ouh, attention. Et voilà. Je commence à avoir mal au doigt. Ok, checkpoint. Alors, toujours le même décor. Ouh là, la tortue. J'imagine que je peux aller dessus. Ok. Donc là, je vais devoir doser mes sauts. Ouh, attention. Je comprends la difficulté. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Alors je passe au milieu. Oh putain, ok. Il faut sauter à chaque tortue. Bon. Ok, je recommence là. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Je suis quand même capable de faire ça tout de même. Non mais... Ouh, bon allez, là j'ai fait une connerie. J'avoue, j'ai fait une bêtise. Heureusement qu'il y a des checkpoints. Hein. Pourquoi suis-je aussi mauvais? En même temps, il est 3h du matin. Et j'ai pas dormi, donc voilà. Hop. Ah, tout de suite l'excuse. J'ai failli refaire la même connerie. Mais comment voulez-vous que je passe là? Je comprends pas. Je peux même pas faire de petits sauts. On ne peut pas doser ces sauts, donc il va falloir que je fasse très attention. Pas comme ça. Non. Je suis trop pressé aussi, je prends pas assez mon temps. Faut que je réfléchisse. Bon, là, je vais attendre un peu. Je vais attendre qu'il y ait deux tortues. Vite. Ok. Non, 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 non. Ouf. Alors, il y a quoi là-dedans? Une nouvelle arme. Cette fois-ci, je vais prendre la faux. Enfin, la faucille. Allez, hop. Donne-moi la faucille. Voilà, merci. Putain, c'était tout juste là. Bon, j'imagine que... Bon, allez, je vais faire ça comme ça, voilà. Hop. Encore un clin d'œil à Ghouls and Ghosts. Ah ! Je vais me débarrasser de lui avant de continuer. Comme ça, il me fout la paix. Allez ! Voilà. Plus que 2 points de vie, attention. J'espère qu'il va y avoir un checkpoint dans pas longtemps. Un bouclier, attention, ça tombe. Ok. C'est quoi ça? Une sirène. Attendez, je vais me la faire la petite sirène. Allez, hop. Voilà. Je voulais vérifier si c'était un ennemi en fait. Bon, alors là je vais faire ça. Je ne peux pas tirer tant que je suis sur les lianes. Donc je dois sauter au bon moment. Attention. Et voilà. Et du temps supplémentaire. Salut les filles! Ah, je les ai fait peur. Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Carrasca! Oh, oh, ok, ok, ok. Bon là, ça va demander de la concentration, je le sens. Attention les fantômes des marécages là. Ok, ok, c'est passé. Je vais me faire avoir là. Allez, encore deux coups. Et voilà.
Ou attention, la petite tortue. Et j'ai toute ma vie. Oh, c'est qui? T'es qui toi? Ok, tu vas éclairer mon chemin. Ouh là là. Alors là, le décor me fait penser au tout dernier niveau de Quackshot. Je sais pas si c'est un clin d'œil. Bon, alors là, attention. Il faut bien regarder où on met les pieds. Parce qu'on ne voit rien. Ouh, le troll. Attention. Il y a des trolls. Donc je peux aller là au-dessus, mais j'ai envie de voir. Je vais aller en haut. Est-ce qu'il y a un truc à récupérer ici? Ok, il y a un coffre. Il n'y a rien d'autre. Merde, ça s'écroule! Un bouclier. Bon, à mon avis, j'ai raté un truc, hein, donc je vais retourner en arrière. Là, c'est dangereux. Ok, tu m'as fait peur, toi. J'ai fait une petite connerie. Quoi? Ah d'accord, je peux pas tirer sur lui. Ok, bon bah éclaire-moi devant. Sinon je te tire dessus. Ah putain. Allez, éclaire-moi devant. Y'a quoi par ici? Attention à ça qui me retombe dessus. Ouh, c'est quoi ça? Oh, oh. Ah mais te mets pas devant si tu veux pas que je te tire dessus. Ouh, attention. Je l'ai eu. À mon avis, il gardait quelque chose de très précieux. J'espère que c'est une larme. Quoi? Ok, d'accord. Là, il y a un mur. Là, il n'y a rien. Éclaire-moi devant! Qu'est-ce qui se passe? Ah d'accord, il se fait attaquer par les ennemis, en fait. Comment je vais faire pour l'avoir, lui, si je ne peux pas sauter? Ok, je l'ai eu. Donc je peux aller par là. Bon, à mon avis, j'ai raté quelque chose de l'autre côté. Ah, c'est chiant. Bon, bah, je vais y retourner, hein, j'ai pas le choix. Allez, j'y retourne. Courage. Attention, il y a peut-être un troll caché là. Je crois que c'est par ici. Ah mais je peux plus revenir en fait, ça s'est écroulé. Non, ça s'est écroulé. Oh putain, quel débile. Bon bah vous savez quoi. Tant qu'on y est, je recommence. J'ai envie de voir ce qu'il y avait là-haut. J'espère que je vais pouvoir y retourner. Ah, je me fais chaque fois avoir avec ça. Et lui aussi! Prends garde à toi, petit oiseau. Hop, je récupère de la vie. Attention, ce truc qui me retombe dessus à chaque fois. Et je peux repasser. Ok. Attention, faut quand même sauter, on ne sait jamais. Alors, il y a quoi par là? Attention. Hop. C'était quoi ça? Attention, il y a une espèce de statue là. Voilà. Oh putain, ça a l'air chaud. Là. Bon, alors là, attention. Et voilà. À mon avis, c'est la larme du niveau. Hop. Et voilà. J'en ai 3. Alors, faut que je fasse. Oh putain. Fallait que je fasse un petit saut. Ouf. C'est vraiment tout juste hein, là. Et là pareil. Ok. Et voilà. Bon, attention ici. Je ne sais plus ce qu'il y a en bas. Oh non! Bon, c'est pas grave, j'ai tout de même l'alarme. Donc je vais pouvoir continuer tout droit. Voilà. Allez, hop, c'est parti. Cette fois-ci, on passe ce niveau. Qui
qui est très sympa. J'aime bien l'idée du petit oiseau qui éclaire avec sa torche. Il s'est encore fait avoir. Concentre-toi. Je récupère ce qu'il y a là. Je crois que c'est pour changer d'arme. Ah non, c'est du temps. Par contre, j'aimerais bien que tu m'éclaires là en bas. Ah, mais tu sers à rien! Voilà, merci. Ah, du coup, je vais devoir me rebattre contre le gros troll, là. Allez, attaque-moi, attaque-moi. Faut que je fasse attention derrière moi à ce qu'il n'y en ait pas d'autres. Allez, 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 allez. Putain, mais il est résistant. Voilà. Tu te fais avoir à chaque fois. Par là, je ne sais plus ce qu'il y a. Je crois que je peux. Ah oh, putain, mais à chaque fois. Je crois que je peux changer d'arme ici. Hein. C'est ça? Ouais. Je vais prendre toujours mon arme favorite, celle-ci. Il n'y a rien devant. Ok. Et voilà, checkpoint. Ouh, un boss. Un boss dans le noir en plus. Bu. T'es au but. Ouh, ouh, ouh. Qu'est-ce qui se passe là? Attendez, il est où là, Bu? Ah, c'est lui! Ok, d'accord. Tu m'as trahi, espèce d'enfoiré! Tiens! Bon, bah, je l'aurai pas cette fois-ci, je crois. Je ne l'aurai pas. Je m'attendais pas du tout à ce retournement de situation. Cette traîtrise! Alors comme ça, tu t'appelles Bu, hein? Allez, hop. Par contre, ça va pas être facile avec, avec l'arme de base. Elle a encore 4 coups. Et voilà. Au revoir, Bu. Oula, il se passe quoi, là? C'est pas le boss final, quand même. Alors, esprit des anciens. Ouf, esprits anciens plutôt. Ouf. Ok, d'accord. Oula, t'es qui toi? Est-ce que je peux monter là? Ok, je peux monter là-dessus. Oh non, 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 non. C'est quoi ce pattern bizarre là? A mon avis, les boules viennent directement sur moi. Ok, d'accord. Donc, faut que je me mette là-dessus. Ouf, attention. Ok, il n'a pas l'air super compliqué. Attention à ces petites boules là, j'ai pas confiance. Ah putain! Ok, d'accord, je croyais que c'était une fois à gauche, une fois à droite. Apparemment, non. Bon. Alors, je vais devoir encore me faire les petits esprits, là. Bon, ça, c'est pas super dur, et en plus, c'est marrant. Oh, putain. J'ai parlé un peu vite. Putain, j'ai vraiment eu de la chance, là. Je suis un peu n'importe quoi. Alors toi, tu apparais où? Ok. Là, je l'ai bien eu. Je vais rester au milieu, voilà. On sait jamais. Je l'ai pas eu une seule fois, là. Ah! Je peux pas m'en approcher quand il apparaît parce que sinon je peux pas esquiver les boules. Donc c'est vraiment de la rapidité. Faut vraiment que je saute sur les plateformes. Attention là. Voilà. Non. Allez, je vais t'avoir. Encore 3 coups. Oh putain. Ah.
Ah non, d'accord, je dois le toucher trois fois pour retirer un seul cœur. Non! Ouh, j'ai de la chance, là. Putain. Mais... pourquoi t'as fait ça? Dans quel but? Allez, je sais pas combien de continues j'ai déjà utilisé. J'aime bien ce passage avec les petits esprits. C'est là qu'on voit que le... c'est là qu'on voit que la maniabilité est vraiment parfaite. Mais bon, je crois que je suis très très mal parti. Ah, allez vite, t'es où? Ok, tu commences là-haut. C'est vraiment n'importe quoi les patterns des boules. Bon, allez, on recommence. Cette fois-ci, c'est la bonne. Je vous ai fait languir pour rien. Je faisais semblant de perdre, en fait. Vous allez voir. Non, non, non. Je commençais déjà à faire le fifou, là. Non, je peux pas l'avoir directement. Bon, alors, t'es où? Ok. Allez, là c'est bon. Pour l'instant c'est imperfect. Tout va bien. On a compris les patterns. Attention la boule. Non, 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 non. Ne jamais rester près de lui. Même si ça prend beaucoup de temps. Ah mais s'il apparaît toujours là où j'y arriverai jamais. Bon, je crois que ça va pas être pour cette fois-ci. Non, 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 ça c'est mauvais. Ouh, ouh, putain, j'ai eu de la chance là. Non, 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 casse-toi, casse-toi, casse-toi. Ne reste pas près de lui. Allez, encore un coup. Enfin, encore un cœur plutôt. Ouh, j'aime pas ça la boule là. Il fait un peu n'importe quoi. Ouh, putain. Ok. J'arrive pas à la voir là. Il se met toujours là-haut maintenant. Ok. Là, c'est bon. Non, c'est pas encore pour cette fois. Un petit coup. Un petit dernier. Et voilà. Forgotten Castle. Niveau suivant. Chapitre suivant. Peut-être un stage bonus. Ouais, un stage bonus. Mountain Melody. Ah, mais c'est toujours la même chose. Allez, sortez de là les petits lutins. Les petites sauterelles, je sais pas quoi. Bon bah c'est juste pour des points. Ah non, j'ai récupéré un point de vie supplémentaire. Enfin, un cœur supplémentaire quoi. Alors, chapitre 5, la forêt. Cursed. Désolé, mais mon niveau d'anglais est vraiment naze. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Une petite luciole. De l'autre côté. Ok. Des monstres qui ressemblent à des petits arbustes sur pattes. Je sais pas ce que c'est exactement. Ah, je vais prendre ça. Ouh là là, attention. Un gros monstre avec 6 yeux. 5 yeux. Voilà. Une licorne multicyclope. Ouh putain. Je vais passer par au-dessus. Il y a peut-être des trucs cachés ici, je sais pas.
checkpoint. De retour les... Oh, 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 oh. Bon, alors lui, comment je vais me le faire? Sachant que je ne peux pas tirer quand je suis sur les lianes. Putain, c'est même pas obligé de se les faire. Ok. Je pensais que c'était un boss, en fait. Non, 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 non. Allez, on se casse de là. C'est quoi ça? Une petite fleur qui me crache des boules roses. Des boules violettes. Alors, on va se les faire tout de suite, ces putains de fleurs. Ouh, attention. Ah, c'est con qu'on ne puisse pas tirer lorsqu'on est sur les trucs. Hein. Bon, en même temps, ce serait beaucoup trop facile. Bon, allez. Je vais l'esquiver, lui. Oh putain, mais à chaque fois j'attrape le truc, on peut pas faire autrement. Ah, il y a deux embranchements. Bon, j'ai été en dessous. Il y a une grosse luciole. Ok, elle m'attaque pas. Oh, attention, attention. Ok, elles explosent. Même si on ne tire pas dessus. Pas facile, hein. Ça a l'air facile, mais ça ne l'est pas. Oh putain, d'accord. On va se les faire à distance, ceux-là. Et une clé. Donc à mon avis, j'ai bien fait de venir par en bas. Alors cette fois-ci, en haut. Une fois en bas, une fois en haut. Alors toi... je vais prendre... Non, cette fois-ci, je... Bon, allez, je reprends ça de nouveau. Alors, est-ce que je peux aller là? Ok, là, normalement... Ok, j'ai compris. Il y a de l'eau en dessous, donc attention, lui. Comment je vais faire pour passer là? Ok, je vais faire ça. Non, 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 non. Mauvaise idée. Et je ne conserve pas la clé. Donc, à mon avis, je recommence tout le niveau. C'est ça? Ou c'est pas ça? Ah non, je ne conserve pas la clé! Mais putain, c'est nul, ça! Faut vraiment le passer d'une traite, alors. Bon, faut vraiment que je passe... comme ça. Alors là, je suis de nouveau revenu là, à l'emplacement où il y a la clé, donc ça tombe bien. La prochaine fois, j'irai en bas. Donc je récupère la clé et après je vais en bas. Allez vite la clé. Hop. Allez, on va tester en haut. Ok, j'atterris ici. Parfait. Je vais rester avec ça. Cette fois-ci, je vais aller en bas. Vite! Et voilà! Ok. Alors là, je suis dans un nouvel endroit. Attention les fleurs! Non, 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 non! Du poulet! J'en ai pas besoin pour le moment. Je vais le garder au cas où je me fais toucher. Bon. Hop. Ah! Ah, bah j'ai la clé. Donc je peux aller là en dessous. Et voilà! Oh, bah tiens, c'est mon pote. Mendoza! Ah non, c'était pas lui. Apparemment, Mendoza est mort et s'est transformé en mort vivant. Attention avec sa hache. Allez, vas-y, balance-moi ta hache. Oh putain, il y a des fleurs. Ah, c'est vraiment pas la bonne arme pour lui. En fait, il faut que je sois très proche de lui. Pff, ok. Il n'y a aucune animation avant qu'il balance son truc. Sa hache. Donc là, c'est vraiment du réflexe à l'état pur. Allez, c'est parti. À nous deux, Mendoza. Oh putain, mais c'est trop rapide.
Oh, vas-y, balance-moi ton truc. Non, 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 non. Apparemment, je... Ok, j'ai compris. J'ai compris. On va rester là, comme ça. Et on va le bombarder. Voilà, j'ai trouvé la faille. Bon, apparemment, la faux, c'est vraiment pas l'arme pour celui-là. Putain, mais lui, cette espèce de fleur, là! Faut vraiment que je me la fasse. Voilà, vite, on revient par là. On tire. Encore quelques coups. Ça me rappelle le pattern d'un boss dans Revenge of Shinobi. Voilà. Je ne peux pas vous dire lequel. Ouh. Oh putain, mais toi aussi t'es mort, Don Diego. Ou lui par contre, Don Diego, il n'a pas l'air simple. Hein. Oh non. Bon, à mon avis, je vais devoir recommencer les deux. Bon, lui, c'est pas grave. Par contre, Don Diego, là... Je le sens pas du tout. Bon, allez, je vous retrouve dès que j'ai battu Mendoza, ça. Attention, le coup ultime, et voilà. Alors attention, Don Diego, là. J'ai pas compris le pattern encore. À mon avis, faut l'avoir à l'arrache, mais non. J'en sais foutre rien. Allez, on recommence. Bon, me revoilà à Don Diego, mais je n'ai plus qu'un point de vie, donc à mon avis, c'est mort. Alors, je vais tenter un truc. Voilà. Encore à nous deux, Mendoza, pour la quatrième fois. Bon, allez, je vais tenter un truc. Je vais me mettre bien contre lui. Ok, je crois que j'ai compris. Ok, je crois que j'ai pigé. Je vais l'avoir comme ça. Bon, bah, je crois que j'ai trouvé la méthode. Par contre, je peux n'en tirer qu'un seul à la fois. Donc ça va prendre du temps. Ah, quoique. Et voilà. Je t'ai eu. Yes! Ils vont payer pour ce qu'ils vous ont fait, mes amis. Alors attention. On est reparti. Là, il y a des bougies. Est-ce que je peux aller dessus? Ok. Ouh là, c'est quoi ça? Un chaudron qui crache des bulles. Je ne peux pas tirer à travers les plateformes. Bon, alors attention, lui. T'es mort? Ok, t'es mort. Ouh là, c'est quoi ça? Est-ce que je peux aller là? Ok, y a rien. C'est juste du décor. Et les bulles qui passent à travers, attention. Au travers des plateformes. Contrairement à mes tirs, donc ça va pas être simple. Y a quoi dans ce coffre? Une fée. Excellent. C'est risqué, je vais aller là. Ah putain, je joue mal. Je vais beaucoup trop vite. Est-ce que je peux aller là? Ah, je peux pas emprunter les... Et comment je fais alors? Non, je peux pas. Ok, d'accord. Dommage. C'était des pics. Je crois que c'était des bougies. Allez, on recommence. Ça, c'est pas super compliqué. Voilà.
là dans le coffre, je sais déjà même plus ce qu'il y a. Ah oui, la fée. Ok, bon, alors ici, cette fois-ci, je fais ça. Ah non, je dois d'abord me débarrasser de celui-là qui est là-bas. Ah mais non, j'ai fait une connerie. Attendez. Ok, d'accord, voilà. J'ai compris. Là, on passe de chaîne en chaîne. Voilà. Du poulet. Là, par contre, ça va être chaud. Hop. Il y a un chaudron ici en bas. Comment je vais faire, là? Non, 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 pas comme ça. Pas comme ça du tout. Ça commence à être chaud, là. Allez, on se concentre. Je dis toujours ça, ça commence à être chaud. Est-ce qu'il faut s'entraîner, voilà, à connaître le niveau. Pas comme ce que je viens de faire, là. Allez, on y va. Je perds pas de temps. Non, je peux plus me le faire, tant pis. Au revoir. Ah, putain. Je fais n'importe quoi. Ah, par contre, je vais aller directement là, voilà. Parfait. Parfait, ici, je vais faire la même chose. Donc là, je remonte. La petite bébule. Attendez, je vais essayer un truc. Est-ce que la fée tire? Non. La fée ne tire pas si je suis sur la chaîne. Donc je vais faire ça. Attendez, comment je fais là pour passer? Ah! Non, mais putain, je fais chaque fois la même connerie! Il commence à me faire chier ce niveau. Allez, courage! Deuxième continu sur ce niveau tout de même. Ah là là, quel skill moisi. Faut vraiment pas que je joue à Ghouls and Ghosts. Je ne crois pas en être capable. Mais comment voulez-vous que je passe ça? Ok, faut que je me mette vite sur la deuxième chaîne. Allez, je vais tenter par là. Non, putain, bon, on sait même pas doser ces sauts. Bon, cette fois-ci, faut que j'attrape la deuxième chaîne. Vite, vite. Non, mais... Ah, putain! Mais comment veux-tu? C'est impossible ce passage de merde! Et de une. Viens par ici la deuxième. Merde, 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 merde. Pas de panique. Voilà. Par contre là, je suis obligé d'aller vite. Voilà. Hop, hop, on descend. Vite, on descend, on descend. Ouh, qu'est-ce qui se passe là? C'est un boss? Ah non, c'est juste des petites bulles. Pff, oh merde! Attendez, qu'est-ce que je dois faire? Je dois... Ok, je dois casser le chaudron. Vite, vite! Oh non, 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 non! Merde! C'est pas bon ça, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Vite, 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 vite. Oh non, non, non! Et merde! Faut tout recommencer! Putain de niveau de merde! Ouh là là, je sens que je vais m'énerver. Bon, faut que je me fasse ce chaudron là. Je m'attendais pas du tout à ça. Je déteste ce passage. Ouh, j'ai eu de la chance là. Vite, vite, vite. Allez, vite, on se fait le chaudron. Ah, mais les boules peuvent aussi me toucher. Ah, mais c'est super chaud là. Et la petite fée qui ne me sert absolument à rien. Je vais quand même regarder s'il n'y a pas un truc caché ici. Quoi? Attendez, c'est passé quoi là? Pourquoi ça m'a touché là? Attendez, il y a un truc caché ici, je le sens. Je sais pas où, mais il y a un truc caché. Allez, on y va. J'ai quand même perdu un cœur. Voilà. Tout simplement. Allez, hop, le chaudron.
Non. Putain, mais c'est vraiment... Là, c'est vraiment un pattern complètement aléatoire. Ça sort de partout, c'est impossible à esquiver. Pouf. Et me revoilà au chaudron avec toute ma vie. Allez, c'est parti cette fois-ci. Oh putain, mais je me fais avoir à chaque fois au début. Allez, la fée, vas-y, aide-moi. Non, ne pas tomber dans le trou, je vais rester là. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Et voilà, checkpoint suivant. Eh ben, j'espère que je vais pas devoir refaire ce passage. Alors là, il y a de la vie, il y a plein de trucs, c'est bizarre. Je vais prendre ça. Ça sent le boss, là. Ouais. Oula, attention. Je peux pas tirer. Moura. Eh ben, tu vas mourir, Moura. Tu mourras, c'est moi qui te le dis. Hop. Ça a pas l'air super compliqué pour le moment. J'imagine que ça va se compliquer par la suite. Ouh, j'ai parlé trop vite, là. Ouh, je l'ai eu tout juste. Attention. Qu'est-ce que tu me veux? T'es pas morte, tu te fous à poil. Ok, d'accord. Eh merde, j'aurais dû rester derrière. Je crois que c'était une bonne idée de rester derrière. Apparemment, elle ne se retournait pas pour m'attaquer. Donc je vais retenter ça. Cette fois-ci, je n'ai plus... J'ai ma petite arme de base, donc je vais devoir faire plus attention. Allez, on passe au-dessus vite. Ah. Ouais, ok, d'accord. Nul. Coco, c'est moi. Faut bien rester sur place pendant les sauts, en fait. Voilà. C'est pas compliqué. Non. J'ai eu de la chance. Et voilà. Donc cette fois-ci, je vais me mettre ici. On verra bien. D'accord. Non, pas du tout. Ça ne fonctionne pas. Par contre, là, elle a un bouclier. Elle se protège même... Quand je suis derrière elle, ah, je vais peut-être rester derrière tout compte fait. Faut juste que je fasse attention à cette boule de feu. Oh putain. Ok, d'accord. Non, je vais rester devant, je crois. Ouais. Allez, casse-toi. Non, mais... Non, je l'aurais pas. Là, c'est super chaud, hein. C'est pas facile du tout. Du tout. Surtout que mon arme n'est pas assez rapide. Si j'avais une autre arme, je l'aurais démonté en 2-2, mais là... Ça va pas être simple. Non, putain. J'ai de la chance, là. J'ai de la chance, là. Là aussi. Là aussi. Non. Mauvais. Putain. Mais... Bon, cette fois-ci, je vais rester devant. Et on verra bien. Faut juste que je fasse gaffe. Putain. Voilà, faut que je fasse gaffe au serpent. Ok, ça a pas l'air bien compliqué, hein. Allez. Mais putain, pourquoi je me suis pas baissé? Mais quel débile, quoi. Allez, on recommence. À nous deux, Moura. Il
fois elle balance deux boules, une fois elle balance une boule, et merde. Et merde. Ok, allez. Un petit coup pour rien. Mais elle me balance trois boules maintenant. C'est complètement aléatoire ça. Bon, allez. Il me reste un petit point de vie à la con. Je crois que ça va pas être pour cette fois-ci. Sauf si j'ai de la chance. Enfin, désolé si je dis rien, mais... Non mais... Oh là là là. Là, j'ai vraiment fait le débile. C'est de ma faute. C'est totalement de ma faute. Faute d'inattention. Allez, on recommence. On va y arriver. En fait, le plus dur, c'est sa première transformation. Après, ça va. À chaque fois, un point de vie restant. Ok, j'ai compris le truc. Putain de serpent à la con! Concentration maximum. On donne tout ce qu'on a. Et merde. Non. J'y arriverai pas. Je le sens. J'ai pas envie d'abandonner. Et merde. J'ai pas envie d'abandonner. Il faut que je le fasse. Je commence à bafouiller, je commence à être crevé aussi. Je sais même pas quelle heure il est là. Quelle idée de faire tout en une traite. De toute façon, j'ai pas le choix puisqu'on ne peut pas sauvegarder. Et non. Si je quitte le jeu, je dois tout recommencer. Et non, j'avais pas assez de temps de sauter une deuxième fois. Je crois que je vais faire une petite pause. Je le sens. Ouais, je fais une petite pause et je reviens dans je sais pas. Quand j'aurai fini ma pause. Allez, c'est reparti. Mourra cette fois. Tu mourras. Allez, c'est parti. Elle me balance sa petite boule de feu. Je m'en fous. Hop, balance tes boules de feu. Ça, par contre, j'aime pas. Toujours pas compris le pattern là avec ces deux serpents. Là. Je peux pas passer au-dessus des serpents, il y en a trop. RIP! Elle m'a ripé! Bon, est-ce que je vais y arriver? Je commence à plus savoir quoi dire. Ah, c'est ce truc là, je me fais avoir à chaque fois.
Non! Ah, j'ai failli l'avoir, mais là... De nouveau, il ne me reste plus qu'un seul cœur. La deuxième transformation a l'air beaucoup plus simple, quand même. Parlons pas trop vite. Ouh, il a failli m'avoir lui. Mais putain! J'aurais pas pu me baisser, bordel, plus qu'une seule fois et je l'avais quoi. Et si j'arrive à me la faire celle-là sans me faire toucher la deuxième transformation, c'est torché direct. Ah merde, 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 merde. Elle me fonce dessus en plus. Bon bah la petite pause n'a servi à rien apparemment. Ça ne fonctionne pas les pauses avec moi. Et je me fais avoir chaque fois de la même façon. Putain de jeu. Allez, balance les deux serpents, voilà, je vais me faire avoir de la même façon. Putain, mais à chaque fois, quoi. Dès qu'elle balance deux serpents, je panique et je fais toujours les mêmes erreurs. Je fais toujours les mêmes erreurs. Voilà, je n'arrive même plus à faire la première transformation, c'est super, c'est excellent. Je régresse, je régresse. Si seulement j'avais pu conserver une arme. Le truc c'est de se faire au moins un serpent en vol. Bon là par exemple, voilà, voilà, à chaque fois. Bon cette fois-ci j'ai deux points de vie donc ça devrait pouvoir être faisable. Allez, on est à la moitié. Non, non, ouf. Putain. Non, 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 c'est la première fois que les serpents arrivent aussi près de moi. Ah, c'est pas fini? C'est bon? Ok, c'est bon, vite. Je croyais que je n'allais jamais y arriver. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Eh bien voilà, je crois que ça va être la fin pour moi. Je n'ai pas récupéré les 5 larmes. Damn! Et quoi, qu'est-ce qui se passe? Ça recommence? Que ça recommence. Apparemment oui. Et bien voilà, j'ai terminé Maldita Castilla, du moins la première fin, et je ne sais pas si je vais faire la deuxième fin. Allez, on va faire un deuxième round. On a combien là dans la capture?
2 heures. Donc ça sera pour une deuxième vidéo. Voilà, on se retrouve pour eh bien, la deuxième partie de Maldita Castilla. Allez, salut. Salut à tous, c'est Sundard, on se retrouve pour le deuxième round de Maldita Castilla. Alors comme vous avez pu le voir dans la scène de fin que je vous ai laissée lors de la précédente vidéo, apparemment le roi s'est transformé et je me suis fait capturer par deux gargouilles, là voilà. Deux Firebrand. Et donc c'est reparti. Alors j'espère que je dois juste refaire une deuxième fois le niveau, hein. Enfin le jeu en entier quoi. Si je dois récupérer des larmes, je crois que je suis un petit peu dans le caca, parce que je ne sais pas du tout où elles se trouvent. Alors, voyons voir, est-ce que c'est plus difficile? Donc je reprends le jeu vraiment à la suite de la vidéo d'hier. Hein. Donc je n'ai pas fait de pause entre-temps. Je commence déjà à faire n'importe quoi. Apparemment, ça a l'air d'être la même chose pour le moment, on verra bien. J'ai envie de récupérer... Oh non, je vais reprendre ça, voilà. On va essayer d'aller le plus vite possible, on va pas perdre de temps. Donc je n'ai pas donné mon avis sur le jeu lors de la précédente vidéo. Bah que vous dire quoi, c'est excellent, j'ai pris mon pied, voilà quoi, un jeu à l'ancienne, comme on n'en fait plus et comme on n'en fait pas assez. Et tout ça, bon. Ah! D'accord, attendez, il y avait... Peut-être un autre panneau ici, non, j'ai pas bien regardé, non. Est-ce que je peux aller là au-dessus? Non plus. Donc je dois bien tirer sur tout ce qui me semble louche dans le décor. Voilà. Voyons voir. Non, là y a rien. Bon bah la difficulté a l'air d'être... exactement la même chose, je sais pas. On verra bien. Un truc, je sais pas ce que c'est ça. Putain, je tirais bien en dessous, juste à temps. Pour l'instant, c'est imperfect. Alors lui, on va vite se le faire. Allez, balance ton feu. Vite, 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 vite. Voilà. Pas de temps à perdre. Allez, hop, 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 hop. Speedrun. Le deuxième loop en speedrun. Hop, on y va. Ah, j'aurais pas dû casser le coffre maintenant, vite. Est-ce que je vais pouvoir le récupérer à temps? Oui, tout juste. Je crois que cette musique est ma préférée dans ce jeu. Celle qui me rappelle le niveau de Shinobi. Un des niveaux de Shinobi, Revanche de Shinobi. Bon, cette fois-ci, cela... Faut que je passe au-dessus. Non ! Putain, tout juste, quoi.
Ouf. Et voilà. Les petites larves. Et merde, je vais pas sauter après. Allez, meurs, chevalier! Et voilà. Ici, le boss, pas trop difficile. Le truc, c'est qu'il faut bien faire attention aux larves qui se trouvent en dessous. Allez vite, ces arames plats! Et merde, je faisais pas attention. Putain. Allez, allez, plus qu'un cœur. Ouh, attention lui en dessous, il a failli m'avoir, lui aussi. Et voilà. Il ne me reste plus qu'un seul point de vie en plus. On récupère ça, For God and the Castile, et c'est parti. Allez, deuxième chapitre, on perd pas de temps. Je crois que c'est le chapitre avec le chariot et l'attaque des harpies. Ah, j'ai gagné un bonus de points parce que je n'ai pas perdu de vie. Ok. Chapitre 2. Et mes amis qui sont toujours en vie ici. Beaucoup mieux que lors du premier loop. Hein. Bon bah pour l'instant ça a l'air d'être exactement la même difficulté. Merci de m'aider toi. Allez petite fée, aide-moi. Pas assez attentif, pas assez rapide. Bon, j'ai plus qu'un seul point de vie, quoique... Non ! Un poulet, merci beaucoup. Enfin, une côte de porc ou je sais pas quoi. De la bouffe, quoi. Et vite. Ouh, je t'avais oublié, toi. Lui c'est simple, dès qu'il fait son attaque je me baisse. Voilà. Et c'est toujours la même chose. Oh putain, il faisait pas ça. D'accord, il fait un nouveau truc. Ouh là là, ça a l'air chaud là. Non. Oh, aïe, je le sens pas. Je l'ai eu ou pas? Ok, je l'ai eu. D'accord, donc les boss ont l'air un petit peu plus compliqués. Hein. Alors, on va vite torcher ce niveau avec les œufs de harpie. Ah, les super bottes! Je n'ai pas eu l'occasion d'utiliser très longtemps. Merde, j'ai pris la hache. Je voulais pas la hache. Attention, le petit trou. Et voilà. Bon, attention parce que ces bottes-là, je les sens pas. J'ai l'impression que c'est plus un malus qu'autre chose. Ah merde! Mes larmes sont revenues à zéro? Mais c'est super chaud alors, comment je fais? Bon bah j'ai raté la larme du premier niveau apparemment. J'espère que non. Sinon je suis en train de faire tout ça pour rien de nouveau. Mais bon c'est pas grave, hein, je la publierai quand même. Ça fera une petite vidéo bonus. Ouh putain là on peut pas se baisser par contre. Oh!
Première mort. Première mort de ce deuxième loop. Oh putain! Et merde. Voilà. Alors attention parce qu'il y en a un qui va arriver juste en dessous là. Ah non, c'est pas encore là. Il faut que je fasse attention. Ouh non 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 non. Pas de bêtises, pas de bêtises. Non, j'aime pas cela. Ouh putain, j'ai eu de la chance. Attention ici. Non, 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 non. Ouh. Alors là, du gros réflexe. Ah, nous revoici face à... Comment il s'appelle encore? Je sais plus. Nobaru! Pour l'instant, il fait les mêmes attaques que tout à l'heure. Voilà. Ça a l'air beaucoup plus compliqué là. Ouais, il est beaucoup plus haut. Allez. Ouh, attention, 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 attention. Eh bien, maintenant, c'est le niveau bonus, je crois, si je me souviens bien, si j'ai bonne mémoire. Ouais, ok. Plague Dance. Non. Bonus over. Bon, je ne sais pas si on peut faire un perfect. J'en sais rien. Chapitre 3, Alcazar. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais prendre les larmes ou pas? Non, je crois que je vais pas prendre les larmes dans ce loop-ci parce que de toute façon, je crois que j'en ai raté une dans le premier niveau. Donc ça sert à rien puisqu'on est obligé d'avoir les 5. Allez, attaque-moi! Voilà. Oh, putain! Allez, vite, on en profite! Ah, mais tire pas assez rapidement aussi! Oh. Quel débile! Au moins, j'ai battu mon score. 42 570. Attention, lui. Eux, je les aime pas du tout. Bon, allez, je passe par en dessous cette fois-ci. Ah, j'ai pris ça. On va tester si c'est efficace. J'ai pas beaucoup joué avec cette arme-là. Oula, qu'est-ce qui se passe? Ouh, le dragon, je t'avais oublié, toi. Il y en a un deuxième, voilà. Hop. Et voilà.
Ah, revoilà le niveau avec la fameuse clé à récupérer là-bas au bout. Bon, je vais prendre la hache cette fois-ci, parce que là, je sais qu'il y a beaucoup de dragons. Et je vais pas aller récupérer les clés, hein. Je vais directement aller à la fin du jeu. Alors, il y a quoi ici? Ah ouais. Les fameuses harpies qui apparaissent dans les murs là. Hop. Là. C'est bon. J'ai l'impression que c'est plus facile. Putain, j'avais oublié ça. Là, j'attends. Pas de grosses difficultés. J'aurais pu aller directement. Tiens, c'est bizarre le passage là au-dessus. On dirait qu'il y a un passage secret. Parfait. Un sans faute. Oh putain, j'avais oublié. Ok, la manticore. C'était pas super difficile si je me souviens bien, voilà. C'est toujours la même chose. Ah, vite, vite, vite. Voilà. Allez, de la vie. Merci beaucoup. Alors voilà le fameux niveau avec les têtes dans les murs là. Ouh merde, merde, vite. Ouf, ok. Bon, avec la hache, ça devrait être facile. C'est là, voilà. Je vais me faire d'abord celle-ci. Et merde. Est-ce que je l'ai eu? Ouais, je l'ai eu. Okay. Et voilà. Oh oui, 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 le bouclier. Bon, là, par contre, je vais pas pouvoir me le faire, lui. Donc, je fonce, je fonce, je fonce. Là aussi, on y va. Et quoi là-dessus? J'hésite. Fous-moi la paix, toi, je suis en train d'hésiter. Voilà. Non. Par contre, je reste avec ça. Ouh, le fameux passage... de la bibliothèque que j'ai terminé d'une traite la première fois avec beaucoup de chance, je crois. Putain, cette arme. Ah, j'avais le bouclier. Ok. De la vie, de la vie, de la vie, s'il te plaît. Ah, de l'invincibilité. Allez, on fonce. Parfait. Ouh, ouh. Et voilà. Ouh, je t'avais oublié toi aussi. Putain. Ouais, lui je dois attendre par contre. Il est bien. Voilà, je me mets bien au milieu. Et je l'applique. Je crois que la hache c'est vraiment le bon choix contre lui. Allez, casse-toi.
Parfait. Ah, c'est ça que je crains le plus. Le petit couteau, là. Et encore l'attaque des petits couteaux. Non, ça, ça va. Point, 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 point. Non, je ne parle plus parce que j'ai plus envie de parler. Voilà. J'ai envie de finir ce deuxième loop très rapidement. Surtout que je ne suis même pas sûr que ça serve à quelque chose. J'aurais peut-être dû me renseigner. Le problème, c'est que je peux pas quitter le jeu. Parce que si je quitte le jeu, je dois tout recommencer. Vu qu'il n'y a pas de sauvegarde. Ah. Tiens, il est reparti directement cette fois-ci. Merde, de l'autre côté. Ah, j'ai raté l'occasion de lui faire beaucoup de mal, là. Ah, les petits couteaux, non. Ah, ça va. Voilà, allez, barre-toi. Ouh, j'ai eu de la chance, là. C'est vraiment passé tout près. Putain, mais comment voulez-vous que... Ça a l'air beaucoup plus compliqué, là, hein. Ouh, mais... Quoi? Putain... Et voilà, on continue. Premier continue. Et voilà. Merde, c'est pas encore fini. C'est bon. Chapitre 4, je crois. Ouais. Ah, le marécage. Ouh là là, le marécage. Allez, je fonce. Pas le temps à perdre. Pas de temps à perdre. On y va. On peut pas se les faire quand ils sont en boule. Ok, d'accord. Je saurai pour la prochaine fois. Voilà. Parfait. Bon, attention, ceux-là, par contre. Faut vraiment attendre qu'ils atterrissent sur le tronc. Putain, mais lui, à chaque fois, je me fais avoir. Arrêtez de me suivre. Oh, putain, je t'avais pas vu, toi. Bon, là, faut vraiment que je me fasse les trucs, là, pour passer. Allez, hop, c'est parti. Et on fonce. Checkpoint. Et là, je ne sais plus. Oh non, pas ça. Le passage des tortues. Non. Tu veux aller trop vite. Ça ne sert à rien d'aller trop vite. Là, faut vraiment que j'attende qu'il y ait deux plateformes. Et merde, je peux pas revenir en arrière. Faut que j'attende qu'il y ait deux plateformes à cet endroit-là, sinon je ne pourrais pas passer. Bon. Et je crois qu'après, je vais faire un gros dodo, parce que là, je commence vraiment à fatiguer et à dire n'importe quoi. Bon, là, j'attends. Tant qu'il n'y a pas deux plateformes, je n'y vais pas.
Ok, là c'est bon. Ouais. Parfait, parfait. Non, j'ai pris la hache. Fous-moi la paix, toi. Non, 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 non. On n'est pas pressé. On y va, mollo. Allez, balance-moi tes trucs, toi. Voilà. Ah, j'avais oublié que cette hache de merde là, elle se balance beaucoup trop. Bon, alors là, un bouclier, parfait. Attention, les petites sirènes. Ouf. Faut que je prenne une autre arme. Non, c'est du temps. Ah, quoique contre ce boss, si je me souviens bien, la hache c'est plutôt efficace. Ouf, 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 ouf. Non, je retire ce que j'ai dit, je crois que la hache c'est pas le bon choix pour lui. Tarasca! Ouais. J'ai l'impression que les boss sont beaucoup plus difficiles lors du deuxième loop. Hein. Ou alors je me trompe, je sais pas. Allez, c'est parti avec l'arme de base contre lui. Vraiment avoir des réflexes de fou furieux avec ce genre. Quatre cœurs. Vite. Là faut vraiment rester sur place, là faut passer en dessous, et voilà. Comme ça. Et voici le coup fatal. Petite tortue. Hop. Ah, te revoilà, bu. Ouais, 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 fais pas de malin. Fais pas ton malin, je te connais, bu. Tu vas me trahir, je le sais. Bon, alors là, il y a les trolls. Ah, désolé. Bon, où sont les trolls? Ils sont là. Attention à leur gourdin. Et là, je vais directement aller par là. Tant pis pour l'alarme. Ouf, attention. Ah oh, putain, j'y vois rien. Et voilà, parfait. M'éclairer mieux que ça quand même. Hein. Allez hop, on va directement là. Quoique, je crois que je peux récupérer une arme ici. Ou un bouclier, je ne sais plus. Voyons voir. Ok, c'est une arme. Donc je vais prendre. C'est contre bu. Hein. Donc je vais prendre. Ça. Non, pas ça. Non, 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 non. Je voulais pas prendre ça. Allez, c'est pas grave, on va se le faire quand même. Quoique, à mon avis, je vais. Je vais avoir du mal avec la hache, je le sens. Je crois que ça a l'air beaucoup plus simple. Allez! Ouais, ça a l'air plus simple. Voilà! La hache est l'arme à choisir pour but. Et là, je me trouve... Ah ouais, d'accord. Là, c'est encore le combat avec les petites âmes, là.
Quoique avec la hache, à mon avis, ça va pas être simple. Pour l'instant, ça va. On va avoir les yeux partout. Et voilà. Alors toi, je te connais déjà. Tu vas me balancer tes boules bizarres, là. Vite, cassons-nous de là. Non, il m'a eu. Il m'a eu. Je fonce dessus. Quel débile. Bon, t'es où, là? Ok. Putain. Non, la hache contre lui, à mon avis, c'est moisi. Quoi? Oh non, le timer! Non! Je vais perdre avec le timer! Ah bah non. Je refuse de perdre contre le timer, c'est comme ça. J'ai fait exprès de perdre. Si, si, je vous jure. Ah ah, merde, là aussi, vous voyez. Je fais exprès pour avoir un petit peu de suspense. Bah oui, tout de même. Sinon, c'est pas drôle. N'importe quoi. Bon, j'en suis à combien là dans l'enregistrement? Ah ouais, quand même. 2h35. Ah là là, ça va être encore des vidéos qui vont durer des heures et des heures. Hop. Hop. Je vous oblige pas à tout regarder, hein, bien évidemment. Il y a des vidéos bien plus intéressantes sur le net que les miennes. Ouais, putain, hey, sérieux, je fais toujours la même connerie, hein. Faut vraiment que je me concentre. Ouais, en fait, je suis en train de faire le kéké, là. Ça sert à rien. Je fais le kéké. Allez, cette fois-ci, on se concentre. Plus qu'une vie. Alors, on va rester sur place. Qu'est-ce qui m'arrive là? Et voilà. Bon, alors lui. Ce sera beaucoup plus facile avec ça qu'avec la hache. Il apparaît toujours du même côté maintenant. Et putain, mais je fonce dessus. En même temps, je pouvais pas savoir. Ah ouais, j'avais oublié ce truc-là. Je sais pas ce que c'est. Peut-être pour avoir la véritable fin ultime du jeu. Je crois que je n'y arriverai pas de toute façon. En tout cas, pas dans cette vidéo, quoi. Bon. Mais je vais quand même retenter en off. Hein. Parce que j'aime bien ce jeu. Bon, à nous deux. C'est lui ou moi cette fois-ci. On va faire comme tout à l'heure. Je vais aller de gauche à droite comme ça. Et de droite à gauche. En espérant qu'il ne va pas m'atterrir dessus. Voilà. Non, mal joué. Non, 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 ne pas tenter des trucs. Allez, plus que deux petits cœurs.
Parfait, là c'est bon. Là je lui ai bien fait mal. Non ! Putain, j'ai failli mourir là. Et voilà. Il m'a un peu fait flipper sur la fin, mais c'est passé. J'espère que je vais avoir assez de place dans le disque dur. Alors, je suis à 2h39. Interlude. Allez, c'est reparti avec les petites cigales. Merde. Ok, c'est juste pour ramasser des points, il y en a à l'infini. Ok, d'accord. Ouh, c'est quoi ça? 2000 points. Voilà. Je ne me souviens déjà plus de ce que c'est. J'ai vraiment une mémoire de merde. Ah ouais, la forêt. Avec son espèce de labyrinthe, là. Il est vraiment facile, ce niveau, je trouve. Ah, j'ai repris l'arme de départ. Alors toi, j'avais oublié ton attaque. Et voilà. Alors, il y a quoi dans ce coffre là-bas? J'espère qu'il y a un petit poulet. Ça me ferait plaisir. Un petit poulet. Allez, hop. Une coupe. 200 points. Ah, j'avais oublié ça. Quoi? Ah d'accord, j'ai été bloqué par l'entrée du truc. Ouais. Là, faut que je fonce le plus vite possible. Hop, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce, on fonce. Ok, mauvaise idée. Et merde, putain. Et voilà. Non! Oh putain! Je fonce dessus, putain, mais c'est chaud. Faut vraiment se concentrer, hein. Je commence vraiment à fatiguer. Non! Allez, allez, hop, on fonce, on fonce, on fonce, on s'en fout. On y va. Ok, j'ai l'impression que ça va beaucoup plus vite. Hein. C'est sûr, ça va beaucoup plus vite que tout à l'heure, là, à cet endroit-là. Et merde, putain. La clé! Ça ne me sert à rien, je n'ai pas envie d'avoir toutes les larmes. Je vais directement aller à l'essentiel. Ouh merde, j'étais trop vite là. J'étais beaucoup trop vite, attention. Je vais directement aller là. Et merde, je refais le même truc. Faut que j'aille en dessous. Putain, mais... Arrêtez de me suivre! Voilà. Il y en a encore une. Et là, je vais directement passer. Hop. Non, non. Là, faut que j'aille en dessous. Vite! Ouais, je suis passé, mais je suis mort. Faut faire ça vivant en fait. Ça passe mieux comme ça.
Bon, ah mais je recommence là, tiens. Bah c'est bien, je vais aller directement en dessous. Et voilà. Ah, je vais tester un truc. C'est bizarre qu'on puisse aller ici. Non, il n'y a rien. Ah mais quel con! J'ai pas envie de passer par là. Et voilà. Normalement, je passe le niveau. Ah mais non, je recommence là. Attendez, je comprends pas là. Faut vraiment que je récupère la clé en fait. D'accord, faut que je récupère la clé obligatoirement. Bon, bah pour la prochaine fois, je le saurai. Hein. Allez, hop, c'est parti, on perd pas de temps. On a déjà perdu assez de temps comme ça sur ce niveau. Wow, 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 wow. Allez, on se casse de là, il y a trop de boulettes. Non, mais merde! Je me fais avoir à chaque fois de la même façon. Allez, la fée, occupe-toi-en, bordel! Tu ne sers à rien! Putain, je fais n'importe quoi. J'ai raté la plateforme. Il y a quoi? Il y a du point, je crois. Ah non, la clé. Ok. Donc là, c'est passage obligatoire, la clé. Je vais là. Ce passage-là, il est pas bien compliqué. Cette fois-ci, je passe ici en dessous. Hop, je récupère de la vie. Attention de ne pas tomber. Vite, la porte, la porte. Oui, voilà. Mendoza! Alors, on va voir si les patterns ont changé. Parce que ceux-là, je les connais vraiment par cœur. Putain. J'ai failli faire une connerie, déjà. Pas super compliqué lui. Ouh, attention. Ah, j'ai failli faire un sans faute. Vite, vite, vite. Et voilà. Tout simplement. Et là, je crois que c'est le dernier niveau. Eh oui, je me souviens bien de ce passage, par contre. Donc normalement, ça devrait y aller. Hein. Allez, pas de panique. Par contre, j'ai toujours pas compris l'espèce de truc ici. Si je me baisse, voilà, ça fait ça. Je sais pas pourquoi. Pour l'instant, tout va bien. Je sais qu'il y a un poulet là-bas en bas. Là, c'est la fée. Ah, j'ai oublié. Ouais, je récupère ça. Là, je vais devoir amener les deux bulles ici au-dessus pour m'en débarrasser.
et de une. Ce serait bien que j'aie le chaudron du premier coup. Pour sauver l'honneur de la première vidéo. Hop, et voilà. Et voilà. Bon, ce passage, je l'ai bien compris. Alors là, ça se complique. Petite part d'aléatoire dans ce passage. Ouh, je sens pas là. Et voilà, du premier coup. Parfait. Allez, on continue. Ah bah je suis au boss de fin là, non? Et merde, putain, j'avais l'occasion de changer d'arme et j'ai pas... Et je suis passé à côté. Ouh, je me souviens de toi. Tu t'appelles Moura, c'est ça? Et je t'aime pas du tout. Ouh non. Cette fois-ci, j'ai la fée. Pourquoi tu me balances déjà deux trucs? Et voilà, je me souviens de cette erreur, à chaque fois. Putain, mais je l'ai fait encore. Non. Allez, hop, du premier coup cette fois-ci. Hein. Comme ça, on perd pas de temps. Tout sera fait d'une traite. Voilà, tu me balances tes deux boules, pas de problème. Balance-moi tous les serpents que tu veux, j'ai pas peur. Hop. Ah putain, le timer! Non mais le timer, c'est vraiment abusé, quoi. Et je perds toujours à 0,7. Bon, allez. Cette fois-ci, on est full timer, full vie. Par contre, on n'a plus de fée, donc ça va être chaud. Bien. Je sens que j'ai encore passé des heures sur ce boss de merde. Ripé. On est bon. Et merde, je l'ai raté. Le truc, c'est qu'il faut au moins avoir un des deux serpents. Putain. Et à chaque fois, il me reste un seul point de vie. Il y a plus de serpents là. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a plus de serpents. Allez, j'en suis à la moitié. Là. Pas de panique. Et voilà. Attention, ne pas se faire avoir. Et cette fois-ci, nous allons voir si ça change quelque chose. J'espère. Ah. Apparemment, non. J'ai fait tout ça pour rien. Ah ben oui, elle est... Les 5 emplacements, oh putain. Bon, bah tant pis. On va se laisser là-dessus, ce sera une deuxième vidéo, ou alors je laisserai tout en une seule vidéo, j'en sais rien. Mais en tout cas, je vous indiquerai au début de ce loop si je l'ai réussi ou pas. De toute façon, vous l'avez vu, voilà, vous avez compris que je n'ai pas réussi, et que j'ai fait tout ça pour rien.
Bon, alors, je vous conseille d'y jouer de votre côté. Montrez-moi ce que vous savez faire en vidéo, pourquoi pas. Multipliez les long plays de ce jeu en vidéo. Parce qu'il le vaut vraiment, il vaut vraiment le coup, ce maldita Castille. Et ainsi s'achève notre semaine Locomalito. J'espère que ça vous a plu et on se retrouve pour de prochaines aventures. Et je vous laisse quand même avec la cinématique de fin de ce loop-ci, même si vous l'avez déjà vu dans le loop précédent. Voilà. Allez, ciao !